家なんか帰らない。Les dieux se montrent bons pour leurs servantes escarpines. Tout lui est favorable. Les oiseaux et les papillons sont ses amis. Je ne vois aucun mauvais présage. Il ne peut se produire aucune catastrophe. La journée est trop belle. Est-ce que tu crois qu'elle sait? Elle a l'air d'être contente. Elle va bientôt savoir. Et regardez. Oh oui, les dieux se montrent bons à mon égard. Je peux te laisser sortir? Oui, papa. Si je te permets de sortir, vas-tu me promettre d'être sage? Je te le promets, papa. Après ton déjeuner, tu iras voir Escarbi. Tu lui porteras ses poissons et tu lui demanderas pardon pour tes bêtises, d'accord? Oui, papa, c'est promis. Je vois que tu regrettes et que tu es un brave garçon. Tu vois, je vais de mieux en mieux. Merci, je vais monter les accrocher là-haut. Là. Attends, je vais les accrocher. Oh, merci, tu es très très gentil. Il faut que je me repose. Dans ta maison? Oui, il a cassé tous mes meubles et mes bibelots les plus précieux. Je voudrais bien savoir ce que tu vas faire. Mais Koum Koum est allé chez toi pour te présenter ses excuses. Oh, oh, drôle d'excuse! Il donne d'une main et détruit tout de l'autre main. Koum Koum est un épouvantable démon, mais cette fois, il est allé trop loin. Oh. Comment pourrais-je prédire l'avenir aux gens maintenant? Allons, allons, Escarbi, je vais m'occuper de cette histoire. Je me demande bien ce qu'il a pu faire. Oh, oh zut alors. Oh, regardez, les copains, regardez la mienne. Oh, qu'est-ce que tu fais, Koum Koum? Koum Koum,
Viens ici tout de suite, je veux te dire un mot. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je veux que tu rentres immédiatement à la maison. Pourquoi? Est-ce que tu m'as obéi? Es-tu allé demander pardon à Escarbille? Oui, papa. Et tu as fait une deuxième bêtise au lieu de te faire pardonner la première. J'ai rien fait de mal. Escarbille m'a dit que tu avais cassé sa maison. C'est pas vrai, j'ai essayé de l'aider à pendre ses poissons, j'ai glissé, je suis tombée. Tu me racontes des mensonges, je ne te crois pas, Koum Koum. Viens ici. Non, papa, j'ai glissé parce que l'escalier était pourri et je suis tombée par terre. Tais-toi, Escarbille est peut-être une bohémienne, mais je la crois. Suis-moi pour te punir, je vais t'enfermer dans la caverne noire. Koum Koum, viens ici. Et je vais te donner une bonne correction. Non, non, papa, non. Tu as entendu ce que j'ai dit? Arrête. Non. Je vais t'apprendre à me désobéir. Viens ici. Je vais t'attraper et te fouetter. Mais pourquoi riez-vous, petits imbéciles? J'ai été beaucoup trop indulgent avec ce gamin. Koum Koum, reviens tout de suite. Si tu viens avec moi, je ne te fouetterai pas. Tu ne dois pas me punir, j'ai rien fait de mal. Si tu ne viens pas tout de suite, je fermerai la porte. Ça m'est égal. Alors je ne veux plus te voir. J'ai rien fait de mal et je comprends pas pourquoi tu veux pas me croire quand je dis la vérité. Puisque c'est comme ça, je rentrerai jamais à la maison. Je te déteste! Je te déteste! Il devient un véritable petit homme. Méchant vieux papa! D'ailleurs, j'ai pas envie de rentrer et d'être enfermé dans cette horrible caverne. Je devrais aller à sa recherche. Ne t'inquiète pas, il reviendra quand il sera calmé. Mais Koum Koum n'est jamais parti de cette façon avant. Et en plus, il va bientôt faire nuit. Il va être perdu dans le noir et il va avoir froid. Thank you.
Voilà de la soupe bien chaude. Je vais t'apprendre à me désobéir, mon garçon. Viens ici. Je ne veux plus te voir. Non, papa, c'est pas moi. J'ai pas démoli la maison des Scarpies. Non. Je veux rentrer. Non, papa ne veut plus me voir. Il m'aime plus. Ils sont tous à la maison. Ils sont en train de manger. Papa donne à Tim Tim plein de bonnes choses à manger. Si j'étais là-bas et que j'en demande encore, papa secoue à la tête et dirait « Non, je ne veux plus te voir !» Papa donne tout son amour à Tim Tim, il n'aime plus. Ils n'ont pas besoin de moi et j'ai pas besoin d'eux. Je reviendrai jamais, jamais. Ça m'est bien égal. Vive la liberté! Yeah! Oui, yeah! Oh ouais, je vais aller voir Romain. Romain! Romain! Non, il n'est pas dans sa maison. Oh, je sais, il est chez son papa. Est-ce que j'étais aussi terrible, père? Tu faisais tout le temps l'école buissonnière. Et tu étais obligé de me laisser dehors? Oh oui, tu étais très désobéissant par le grand barbichu. Et je m'enfuyais très loin pour que tu ne me trouves pas, hein? Et je ne rentrais pas pendant toute la nuit, hein? C'est ça? Oh oui, mais on savait que tu revenais toujours. Et maman et toi, vous vous moquiez de moi et au lieu de me plaindre, vous riez et vous me punissiez quand même. Oh, bien sûr, ça n'est pas parce que tu avais passé la nuit dehors que tu ne devais pas être puni. Et au lieu qu'on me plaigne, je recevais une bonne fessée. Moi, je vais pas rentrer pour qu'on se moque de moi et qu'on me fouette. Ça, jamais! Très bien, alors il faut fermer la porte. Mais Koum Koum... J'ai dit de fermer la porte. Mais papa, il faudrait que tu essaies de le retrouver. Tais-toi, ça ne te regarde pas. Ah, il commence à faire froid. J'ai drôlement faim. Oh, chic! Fais-la, Koum Koum. Tu ne devrais pas être dehors si tard. Eh bien, reste pas planté là. Entre vite. Regarde qui est là, Lilibelle. Qu'est-ce qui t'arrive, Koum Koum? Je crois que je sais. T'as sûrement été méchant et tu t'es sauvé pour pas être puni. C'est pas vrai, non. J'ai voulu faire une promenade. Mais alors, t'as pas encore mangé, mon pauvre Koum Koum? Bah, non. Si tu n'as pas mangé, je suis presque sûre que Lilibelle a raison et que tu t'es sauvé de chez toi. Il vaut mieux que je te ramène. Allez, viens, mon garçon. Non, je veux pas y aller, non. Mais c'est pas bête. Tes parents doivent être terriblement inquiets. Non, je vais rentrer tout seul. C'est étrange.
Va, je suppose que je ferais mieux de rentrer. S'il se moque de moi, tant pis. Et papa ne peut pas me donner la fessée puisque j'ai pas encore mangé. Ouais, ce serait mieux. Il me battra pas, je vais lui demander pardon. Ouais! Tu peux ranger les plats, Flora. Mais s'il rentre à la maison, il sera mort de faim. Il ne rentrera plus maintenant. C'est un petit imbécile têtu et stupide. Et même s'il rentre, il n'aura rien à manger ce soir. Ce sera une bonne leçon et ça lui apprendra à ne plus désobéir. Tu ne crois pas que tu es un peu trop dur, Bradley? Il est désobéissant. Et s'il ne revient pas ce soir et n'admet pas qu'il a eu tort, ce n'est pas la peine qu'il revienne. Ce n'est plus mon fils. Koum, tu ne crois pas que tu devrais rentrer? Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi ne veux-tu pas revenir? Je veux savoir si tu acceptes de ne pas me fouetter. Oui. Ah! Alors tu ne me corrigeras pas et tu ne te moqueras pas de moi? Non. Tu acceptes de me pardonner? Oui, maintenant, viens. Non. Pourquoi? Eh ben, parce que t'es beaucoup trop têtu pour croire ce que je t'ai dit. Et que je veux que tu saches que je peux être plus têtu que toi, papa. Tu n'es qu'une vieille mule entêtée. Il m'a appelé vieille mule entêtée. Je pensais qu'il était entêté. Eh bien, il a raison, nous sommes une vraie paire de mules. Tel père, tel fils. Deux mules, c'est bien mon fils. Alors, est-ce que tu as trouvé Koum-Koum? Eh bien, la seule chose que j'ai vue, c'est une mule. Je suis inquiète, bras de fer. Ce n'est pas la peine de te faire du souci pour lui, Flora. C'est un homme, maintenant. Tu ne t'es pas couché? Pendant un petit moment. Maman, ou peut-être Koum-Koum. Koum-Koum n'est toujours pas revenu, Flora? Non, bras de fer. Maman, papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est rentré, mon petit Koum-Koum. Koum-Koum. Bienvenue à la maison, petite mule. Koum-Koum, puisque tu es un homme maintenant, tu pourrais venir chasser avec moi. À bientôt, petite mule. Au revoir, grande mule. カウルスが姿を消した。探しに出かけたクムクムたちが見たのは動物たちの墓場だったのです。次回、サウルスが死んだ。どうぞお楽しみに。